Chaîne Blaster Joie. Yeah. Avec Papou et Stockman. Avec Stockman, mon petit guerrier, mon sniper, le Stockmanosaur. Aujourd'hui, on va vous présenter le Nerf Zombie Strike Scavenger. Pour parler de cette nouveauté, nous allons tout de suite prendre, sans plus attendre, la boîte qui était immense. Hein, parce que là, il y avait plein de choses dessus. C'est fourni avec 26 fléchettes élites, hein, mais bon, c'est les zombies strike vertes, c'est bien, hein. C'est fourni, bah non, c'est pas fourni, ils te disent que tu auras besoin de 3 piles 1V5 AAA LR03, les petites piles, ça ce sera pour la visée petite lampe hein, verte. C'est la gamme zombie strike survival, système survival. Alors qu'est-ce que c'est sur système survival? Bah je ne sais pas, ça doit être toutes les petites options. Et l'espèce de slam qu'on va voir tout à l'heure, ça se trouve. Qu'est-ce qu'il est dit? Le kit essentiel de défense anti-zombie. Bah, tu m'étonnes, vous allez voir, il y a énormément d'options. Là, je peux dire que ce blaster n'est pas donné, mais on en a pour son argent parce qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses, mon Stockman? Regarde cette magnifique, regarde ce beau dessin. Sois prêt à te défendre contre toute attaque de zombies grâce à ce kit de survie. Vous allez voir le kit, ils y reviennent, hein, ils en parlent de ce kit. Hein. Foudroyeur à levier, donc ça c'est le levier d'action, vous allez voir, pour faire un tir rapide. Oui, pour faire un tir rapide ou pour charger. Ouais, un peu slam quoi. Hein. Ouais, attends, et ça te cache, regarde, t'es tellement petit mon Stockman. Regarde. C'est fourni avec deux chargeurs 12 fléchettes, des chargeurs de toute beauté, on va y revenir. Et avec ce qui tient le chargeur, c'est accroché à la visée en fait. Ouais, c'est le. Alors il y a marqué viseur de précision avec porte-chargeur. Impeccable, alors de précision. Bon, mes viseurs avec donc porte-chargeur, on va y revenir aussi. On peut quand même le bouger, mais pas l'enjeu. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est le plus nul. On va te faire voir après ça, mon Stockman, tu vas voir. Oui. Et on a une rallonge de canon qui a une esthétique un peu originale, puisqu'on dirait. On dirait qu'on a tiré dessus. Avec des balles réelles, quoi, tellement elle est éclatée. Et puis, qu'est-ce qu'on a, la lampe tactique en dessous? Oui, c'est l'éclair du. Ouais. Bon, c'est pour les plus de 8 ans, bah, ça, on s'en doutait. Et voilà. Donc, mon Stockman. On va prendre ce magnifique et énorme blaster parce que mon petit frère, le Slimfire, d'ailleurs, tiens, regardez, le Slimfire, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup qui ne le connaissent pas, voici la photo. Donc, il y a un mécanisme là-dessus quand même qui est assez sympa. Il est similaire, donc, comme je le disais, au Nerf Zombie Strike Slimfire. C'est ce mécanisme-là, levier de chargement, vous allez vers l'avant. Vous allez vers l'arrière et vous tirez. Bâche ! Il a une moelle. Attendez de voir les portées tout à l'heure. On a été très étonnés. Cette nouvelle gamme Zombie Strike n'est plus comme avant verte. Elle est orange. Mais c'est du orange. Ah, pour moi, il sera à point le steak. Alors sinon, les amis, ce qu'on va voir, on va commencer par le bout. Qu'est-ce qu'il y a? Il disait qu'il y avait énormément d'options dans ce blaster. Et c'est vrai. Regardez, on a une crosse amovible. Alors, elle a une la crosse, il y a quelque chose de particulier. C'est que le nerf attachement de crosse a été mis à l'envers. C'est-à-dire que quand vous mettez une crosse que vous connaissez un peu plus standard, elle sera toujours à l'envers. C'est énorme. Ça veut dire que cette crosse-là, si vous la mettez sur un autre blaster, elle sera toujours dans ce sens-là. Et si vous la mettez sur ce blaster-ci, elle sera toujours dans ce sens-là. Donc, c'est quand même une certaine originalité. Du coup, regardez, la mine que ça lui met avec une autre crosse, c'est aussi sympa quand même. Comme toujours dans la gamme zombie, on a l'impression d'un blaster qui a été fabriqué avec plein de petites pièces détachées de briques et de broc. On a des effets de vis. Là, ça ici, on dirait une pince. On a des bandes. On a l'extension de canon. Là, il y en a un petit là aussi, là, ouais.
là, je crois qu'on a mis, qu'on l'a attaché avec des bandes. Ouais, on a une, alors l'extension de canon, on dirait une espèce de bombe aérosol qu'on aurait vissé et du coup qui aurait pris des impacts de balles, comme on disait tout à l'heure. Il est comme d'habitude. On peut voir les balles quand ils passent là. Et oui, on voit la fléchette passer. De ce côté-là, on a toutes les peintures habituelles. On a le Z de zombie, on a le Nerf, on a le nom Scavenger, on a un tuyau qui est peint en gris. De ce côté-là, on a aussi un tuyau peint en gris. On a des pièces mécaniques en gris. Il est... Le chargeur et le chargeur, on dirait que c'est un chargeur robot. Ouais, il fait penser à une espèce de pièce métallique de robot. C'est vrai, avec des petites vis, des petits rivets. Et il y a aussi le Z en gris qui se voit pas très bien. Ouais, et il y a marqué le 12 en gros avec une plaque et des rivets qui dit bien c'est un chargeur 12 fléchettes. Comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit, hein, sinon, deux chargeurs fournir. Il y a les griffes. Alors, c'est pas des griffes ça, mon Stockman. Tu sais ce que c'est ça? Non. C'est les chasseurs de zombies qui ont fait un trait et qui ont fait d'autres traits dans l'autre sens pour noter le nombre de zombies qu'ils avaient déglingués. Alors, mais apparemment, c'est que 4 qu'ils ont déglingués. Ouais, ils en ont quand même déglingué pas mal. Ouais. On a aussi... J'aurais préféré 12. Mais voilà. Alors, on a cette petite poignée, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est McGreeve. Après une coupure de courant, on n'avait plus de batterie, on recommence le tournage. On en a profité pour démonter tous les accessoires du petit Scavenger. Alors, on va faire le tour un peu des accessoires qu'il y a dessus, parce que quand même, il y a de quoi faire. Alors, attends, on a une lunette de visée qui va sur le blaster, avec sur le côté un porte-chargeur. Donc c'est plutôt sympa, sauf que c'est pas grave Stockman, sauf que malheureusement quand tu te balades, ça a tendance à venir taper sur le blaster, ça c'est un peu pénible. Par contre ça tient bien, jusque là nous, on n'a pas fait tomber le chargeur, il tient vraiment dessus, c'est les fléchettes. Par contre, les fléchettes elles s'en vont. Oui. Et on ne peut pas, comme disait Stockman tout à l'heure, pendant les off, on ne peut pas démonter cette petite pièce pour n'avoir que la lunette. Alors faut... Sinon, il faut bricoler un peu, il faut enlever la petite pièce en métal qui la retient. Mais l'extension de canon de toute beauté, donc très large, hein, a priori, je ne pense pas qu'il y a... Hein, Stockman TV. Je ne pense pas que ça va nous freiner les fléchettes. Alors, comme je disais tout à l'heure, bombe d'aérosol. Hein. Tiens, tu vois le parfum ? Après, on a la lampe tactique. Donc, c'est une lumière verte. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez bien, c'est parti. Voilà, donc vous avez vu, c'est joli, c'est sympa, hein, hein, fais-moi ça, comment que c'est mignon ça, regarde, tiens, Stockman. Et on a la crosse, qui est géniale la crosse, car elle a un blaster portatif avec. Alors, on a remarqué quand même quelque chose d'un peu pénible, voilà, vous avez le blaster dessus. Donc vous jouez en partie, hein, ça tient vachement bien, enfin, ça tient. Hein, ça tient, ça tient. Et du coup, pour l'enlever, vous voyez, il y a quand même, voilà, il y a un peu de résistance. Pour l'enlever, c'est simple, vous faites un petit coup vers l'arrière et ça le déchausse. Donc ça, c'est parfait. Sauf que quand vous êtes en partie de nerf, les amis, voilà ce qui peut se passer, c'est que vous jouez. Ah, attention, qu'est-ce qui... Oh là là, je l'ai tapé et ça fait tout tomber. C'est un petit blaster qui est très joli. Pour les grandes mains et les petites mains, il va bien parce qu'ils ont mis une petite extension ergonomique pour mettre les doigts. Hein? Donc regardez, même ma grande main, elle va impeccable. Déjà c'est pour la sécurité. C'est pour la sécurité, hein, ouais. Ça tient bien comme ça, mon Stockman. Oui. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un jolt amélioré, beaucoup plus joli, avec des effets d'écrou, de vis, un peu bah, comme toujours un zombie. Ouais. Une espèce de petite organe de visée, très très sympathique au demeurant, avec des petits trous, bon, pour un attachant que ça va être compliqué. Oui. Par contre, double canon. Double. Habituellement, les doubles canons... Normalement, le mini jolt, c'est à une balle chacun, mais là, c'est deux balles chacun. Bah oui, et là, il y a deux balles. Et est-ce qu'il y a... On dit des fléchettes, Stockman, pas des balles, on est pour l'armée. Alors, par contre, ce qui est intéressant, vous avez deux canons superposés. D'habitude, avec les canons superposés, la première fléchette, on la tire en haut, et la deuxième, en bas. Normalement, c'est bah, en sauf bas, que c'est... là, c'est l'inverse. C'est en bas qui commence, après il en haut. Voilà, on n'a pas vu de grosse différence de patate au test de tir entre le haut et le bas, à l'inverse de d'habitude.
Bon, ce qui est original avec le canon, c'est qu'il est un peu ovale hein, sur l'extrémité. Ça, c'est assez original, l'esthétique. On n'a pas parlé, on a une trappe de désenrayement ici qui va s'actionner qu'au moment où votre levier de chargement est vers l'avant. Voyez. Et d'ailleurs, pour le refermer, vous le refermez à la main ou avec le levier de chargement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on a des rails de personnalisation, un grand sur le dessus, un petit sur le dessous. On peut même penser à mettre une poignée, si ça peut être sympa. Ouais, bon, par contre, ce qu'on a remarqué tout à l'heure, mon Stockman, quand on a fait les tests de tir et tout ça, c'est que c'était pas pratique. Parce que quand vous êtes là, vouloir actionner votre blaster, vous tenez ça, là, ça vous gêne. Voilà, vous voyez, c'est... Voilà, tu vois, c'est... T'es là, ah, tu vois, c'est, voilà, ça, ça bouge. Donc, c'est vrai que pour des parties de nerf où on est un peu actif, un peu rapide, ça, ça va gêner. Parce qu'on ne peut pas tenir là, sinon on vient se coincer le doigt ici. Aïe. Voilà, donc c'est vraiment la main, elle est mieux là. J'ai déjà fait mal au doigt. Ouais, la main, elle est mieux là. Et du coup, ben, c'est plus... voilà, c'est plus sympa si vous n'avez pas la petite lampe, sinon c'est pas très pratique. Alors, puis ça, comme je disais tout à l'heure... hein. Voilà, ça bouge, c'est pas très agréable. Oui, bon, c'est vrai. Par contre, il est... ce qui fait bouger le plus les fléchettes. C'est quand ça cogne. Ouais, ça les fait tomber. Oui, ça, ça les bon. Fait tomber. On va finir là-dessus, mon Stockman, parce que je trouve qu'il est... On a fait le tour hein, sur les options, tout ça. Je pense qu'on n'a rien oublié, j'espère en tout cas. On a une très très bonne prise en main hein, pour ce blaster. Oui, c'est vrai. Mmh. Et on a c'est une... Comme... Quoi? C'est comme les zombies, mais en plus décoré. Ouais, c'est comme le zombie vert. Le Slamfire, tu veux dire. Oui, le Slamfire. Oui, il est beaucoup plus... oui, il y a plus d'options. C'est qu'on a un petit bouton ici, vous le voyez. Quand vous le mettez vers l'avant, vous déclenchez le tir rapide, c'est-à-dire le slime. Le slam. Donc avec ça fait... Vous êtes prêts? Ouais. Alors vous êtes prêts? Attention, je ne touche pas la gâchette. Hein. Ça tire. Eh, c'est bon ça? Ça, c'est bon, ça. On va le remettre en mode normal. On n'est pas en tir rapide. Donc, ça sous-entend qu'on charge de cette façon et on tire. Que si vous aviez chargé et que vous actionnez le bouton pour faire le tir rapide après avoir chargé le blaster, ça faisait tirer le blaster. Donc, à faire attention de manipuler ce bouton sans avoir la tronche devant le canon. Bon, c'est un blaster mécanique, ça on s'en doutait. Oui. La crosse est très très confortable, hein. Elle tient bien dans l'épaule. Oui, c'est vrai. C'est très 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 confortable. Et moi, j'arrive pas trop à tirer. Oui, parce que t'as dit petit bras, mon Stockman. Oui. J'ai toujours pas des longs bras comme toi. On va aller faire des tests de tir, mon Stockman. T'es prêt? Alors, on annonce les tests de tir. Test de... Allez, on va essayer de tester le maximum de la puissance de ce blaster. On va déjà tirer en cloche. Ouh, ah, elle plane. C'est 22 mètres. 17. Allez, tir tendu. C'est parti. Allez, un petit 16 mètres. Ah, c'est bon ça. C'est 17 mètres. 14. 14, 17. Allez, maintenant on va tirer avec le mini blaster du Scravenger. Ah ouais, 12 mètres. Avec le canon du bas. Maintenant le canon du haut. Et 9 mètres. Donc nous voilà, après avoir fait les tests de tir, vous avez remarqué, il y avait des pneus. Alors les pneus, ils étaient tous les 5 mètres. Donc voilà ce qu'on a fait avec le Scravenger en cloche, c'est-à-dire pour avoir le maximum de puissance et de portée. Hein, on est comme ça, on vient en cloche. On a fait entre un Stockman combien? 16 et 22 mètres. Ouais, 16 et 22 mètres. Donc c'est plutôt très très bon. Après, on a fait en tir tendu. On était droit comme ça, clac clac, bim bim. Alors qu'on tire en version rapide, hein, en slam ou en coup par coup, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Donc tir tendu, on était, attention, dis-nous Stockman. Entre 14 et 17 mètres. Non, je suis là.
Donc, on a une très bonne portée. Il a la patate, ce blaster. Parce que sur la revue de Broche 49, le blaster était un peu moins puissant, je crois. Donc, ça prouve bien que, comme on le disait une fois, d'un blaster à l'autre, même marque, même modèle, il y a des différences de puissance. Hein. Je pense que ça doit venir de l'usine. En tout cas, on a quelque chose qui a quand même bien la pomme de terre, hein, la patate. Et maintenant, on va faire quoi, mon Stockman? On va voir s'il est précis à 6-7 mètres, hein, ce blaster mécanique. On va tirer sur la tôle de... fer. C'est parti pour la tôle de fer avec Stockman. Vas-y, mon Stockman, mets-lui tout dans la bouche à la tôle de fer. Donc, Stockman, avec ses petits bras, avait un peu de mal à viser. Alors, je vais l'aider. On y va. Ouh. Oh. Attention. Ouh. Attends, on va bouger un peu l'écran. Yes. Oui. Attention. Yes. Oh, je l'ai rasé. Ouais, là, elle a eu peur. Là. Oh. Oh là là, je la rase, truc de ouf. Bon, maintenant, on va tirer avec le mini pistolet qui est dessus, hein, le oui. Jolt double. Voilà, le Jolt double coup. Attention. Oh, pardon, Stockman. Yes. Bon, voilà, ça, je vais pas filmer pour tirer avec ça. Hein, ça fait pareil. Bon, c'est précis. Donc, on est d'accord, hein, mon Stockman, pour dire que ces deux blasters, lui et lui, sont très précis. Oui. Tiens, vas-y. Non, ça m'étonne pas parce qu'il n'y a rien qui freine la fléchette. Pas de canon qui frotte ou quoi que ce soit. Vas-y, bige. Ouais. On va dire que c'est un très très bon blaster. Qu'est-ce que tu en penses, mon Stockman? C'est vrai, il est plus joli. Moi, j'ai réussi à me faire mal un peu quand même avec ce levier de chargement là, parce que je sais pas trop comment passer mes gros doigts dedans pour actionner très rapidement le levier de chargement. Bon, mon Stockman, on va dire quoi? On va dire merci de nous avoir regardé. Un petit pouce. Un petit commentaire. Et à bientôt sur la chaîne Blaster, soit avec Papou et Stockman.